Nous allons tout de suite commencer par la première question. Madame la ministre, vous êtes titulaire d'un MBA obtenu aux États-Unis. Quelle était l'ambition de la jeune Cap-Verdienne que vous étiez dans ce pays pour le Cap-Vert et pour le continent africain en général? J'ai l'habitude de dire que j'ai eu une grande chance dans ma vie. Je suis née dans une famille panafricaniste. Mon père et mon oncle a été un des fondateurs du PAIGC. Mon père a eu l'opportunité, d'une manière indirecte, de participer dans la lutte pour l'indépendance du Cap-Vert. Et j'ai eu la chance d'être née dans cette famille panafricaniste. Et c'est cette famille panafricaniste, à travers du pensée d'América Cabral, qui m'a appris ma responsabilité par rapport au Cap-Vert, mais aussi par rapport à l'Afrique. Et quand j'ai décidé d'aller premièrement étudier au Portugal et après aux États-Unis, à la fin, j'avais ce grand désir de servir le continent. Merci. Vous avez aussi une solide expérience dans le secteur privé en Afrique, au Kenya, en Angola, avec notamment une position de vice-présidente et responsable des activités de la banque de financement et d'investissement pour Citibank. Quels sont les défis de financement des économies africaines, selon vous? Comme tout le monde le sait maintenant, l'Afrique a un grand déficit de financement, des ressources financières. Et ça, c'est une grande contradiction. Une grande contradiction. Ça veut dire, en même temps, l'Afrique, c'est le continent plus riche. C'est le continent que, d'une manière annuelle, perd 50 billions de dollars. Et en même temps, c'est le continent plus pauvre du monde. Ça veut dire que le grand défi de financement de l'Afrique, ce n'est pas une absence de ressources financières. Ce n'est pas une absence de richesse pour financer son propre développement. Ça, c'est un grand paradoxe. C'est plutôt une absence de leadership, une absence de ownership, une absence d'organisation, une absence, comme on dit en français, d'appropriation de son destin. Et je pense que les gouvernements africains commence à donner beaucoup plus d'importance à ces institutions, à la qualité de ces institutions, pour retenir la richesse qu'appartient à l'Afrique, je pense qu'on va trouver la solution pour financer le développement de l'Afrique. Merci. Vous avez parlé de leadership pour le Premier ministre aussi, José Maria Neves. Le développement des pays africains n'est pas une question de ressources financières, mais davantage d'organisation et surtout de leadership, comme vous venez de le dire aussi.
Quelle est votre définition du leadership? Et pour vous, quels sont les défis du développement du continent? Ma définition de leadership, je pense que leadership, pour devenir un leader, il faut avant tout avoir une grande volonté politique de travailler pour son peuple et son pays. Je pense que c'est cette volonté politique, c'est cette conscience politique qui permet l'émergence de la leadership. La leadership ne c'est pas une chose qu'on peut l'obtenir, par exemple, à travers une nomination administrative, à travers, par exemple, une élection. Non, je peux être élue à la BAD. Mais le fait que peut-être je peux être élue à la BAD ne me transforme pas dans la leader de la BAD. Ça veut dire que quand, par exemple, Monsieur José Maria Neves est devenu Premier ministre il y a 15 années, à ce moment-là, il est devenu Premier ministre, mais pas encore un leader africain. Ça veut dire qu'il a construit dans son parcours cette leadership. Comment il a fait? Exactement, en mettant sur la table une grande volonté politique de servir le Cap-Vert et l'Afrique. Et permettez-moi de dire et de profiter de cette question pour dire leadership et autorité sont deux choses complètement différentes. Complètement différentes. Ça veut dire quand quelqu'un est élu pour une certaine fonction, cette fonction vient avec une certaine quantité d'autorité. Mais c'est à travers le travail, l'engagement, que la personne commence à acquérir leadership et à augmenter ce qu'en anglais on dit « scope of authority ». C'est cette relation que je pense que de plus en plus les décideurs politiques en Afrique doivent commencer à comprendre. Leadership par rapport à autorité. Pensez-vous être leader? Je pense que j'ai les conditions de l'être. J'ai l'engagement politique. J'ai la volonté politique et j'ai un peu plus. J'ai la passion pour faire les choses bien faites pour le Cap-Vert et pour le peuple cap-verdien. Ce que m'a motivé à accepter l'invitation de Monsieur le Premier ministre José Maria Neves à devenir ministre des Finances en 2006, vous pouvez me croire. C'est la passion que je sens pour le Cap-Vert. Très bien. Nous allons continuer alors sur le thème du Cap-Vert et de votre poste en tant que ministre. Vous avez contribué, vous contribuez toujours dans ce poste au développement économique du Cap-Vert en ayant participé au passage du Cap-Vert des pays les moins avancés à celui des pays en revenus intermédiaires. Quelles ont été les retombées économiques et sociales pour la population capverdienne jusqu'à présent? Plusieurs. Le Cap-Vert, c'est un exemple de pays que le développement socio-économique est possible, essentiellement basé dans la qualité des politiques publiques, dans la qualité de la gouvernance et dans la qualité des institutions. Je pense que le Cap-Vert est devenu un exemple dans ce sujet-là. Pour le peuple du Cap-Vert, quels sont les résultats? Le premier, une réduction très grande de la pauvreté. Quand on a commencé cette aventure en 1975, le PIB per capita du Cap-Vert était à peu près $200. En 2008, on était presque 4 000 dollars. On a commencé avec deux lycées. Presque 70% de la population du Cap-Vert ne savait pas lire ni écrire. Aujourd'hui, le Cap-Vert, c'est un des pays en Afrique que peut-être
va atteindre les objectifs du millénaire. Ça veut dire qu'on a travaillé la parité de la femme, etc. Je pense que les résultats concrets pour la société capverdienne sont tout à fait clairs. Tout à fait clairs et positifs. Très bien, merci beaucoup. Et selon vous, qu'est-ce que les pays africains donc, peuvent retirer de l'expérience du Cap-Vert dans le développement, du développement au Cap-Vert? La première, peut-être, leçon, si je peux le dire, c'est que ce que je viens de dire, c'est possible de promouvoir un développement socio-économique basé dans la qualité des politiques publiques, de la gouvernance et des institutions. Deuxième, il faut avoir une préoccupation de maintenir toujours la cohésion sociale. Troisième, il faut avoir une leadership qui peut mettre sur la table une vision, une stratégie. Cette même leadership doit avoir une capacité de promouvoir l'appropriation de cette vision pour toute la société capverdienne. Il faut avoir aussi une ambition. Il faut croire qu'on peut être et qu'on peut faire. Très bien, merci beaucoup. Vous avez insisté aussi sur la nécessité pour les pays africains de disposer d'institutions de qualité. Dans quelle mesure l'infrastructuration institutionnelle, comme vous l'avez déjà dit, peut-elle participer à l'émergence du continent africain, un continent prospère, juste et pacifié? Jusqu'à maintenant, tout le monde parle de l'Afrique émergente. Tout le monde parle de l'Afrique émergente. Mais ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que cette Afrique émergente n'a pas résolu le problème de la pauvreté en Afrique. Après 15 années de croissance économique, la pauvreté est toujours avec nous. Ça veut dire que peut-être seulement la croissance économique n'est pas suffisante. Pour les décideurs politiques en Afrique, il faut qu'on s'arrête. Qu'on s'arrête et qu'on pense. Et qu'on pense très bien. Et dans cette réflexion, il faut donner importance au rôle des institutions dans le processus socio-économique des sociétés africaines. C'est dans ce contexte-là que le Cap-Vert, dès le début, a financé, a mobilisé des ressources financières, pas seulement pour l'infrastructure physique, route, école, hôpital, aéroport, etc., mais aussi pour les infrastructures institutionnelles. Est la qualité des institutions en Afrique que va permettre les Africains de devenir les propriétaires de notre destin. L'Afrique doit aller donc au-delà de la lutte contre la pauvreté. Et vous estimez qu'elle doit se transformer pour devenir compétitive au niveau mondial. En quoi consiste la transformation structurelle des économies et sociétés africaines? La crise internationale est en train de mettre sur la table une grande opportunité pour l'Afrique. Une grande opportunité. Et je pense que cette opportunité, il faut que les décideurs africains ont toutes les conditions pour saisir cette opportunité. Mais pour le faire, il faut avoir le courage et la volonté politique de casser business as usual. Il faut sortir de cette mentalité que l'Afrique, le destin de l'Afrique, c'est faire la gestion de la pauvreté. Non. Il faut casser cette approche business as usual. C'est ça que je pense que les décideurs africains devront, premièrement, reconnaître que la crise internationale est en train de mettre cette grande opportunité sur la table. C'est à nous, les décideurs africains, de le saisir. En faisant quoi? En promouvant la transformation structurelle de l'Afrique. Comme vous le savez, tout le monde parle de ce cadeau démographique de l'Afrique, Demographic Bonus. J'ai l'habitude de dire que ça, peut-être c'est un cadeau. Mais aujourd'hui c'est un grand risque pour l'Afrique.
C'est dans ce contexte-là que je défends que les décideurs africains devront révisiter chaque chaîne de valeur en Afrique et d'augmenter la composante locale de cette chaîne de valeur. Maintenant, c'est à peu près 20% local et 80% en dehors. Ça suffit. On arrive à un moment qu'il faut bouger la ligne. Il faut bouger la ligne. Il faut bouger la ligne de 20% à 40% à 70%. Merci. Vous venez de faire référence donc à la dimension locale. On l'oppose généralement à la dimension globale. Globale, plutôt contexte mondialisation. Les populations africaines, notamment les femmes, les enfants, les populations marginalisées, sont en attente de réponses et de solutions concrètes dans ce contexte de la mondialisation. Comment, selon vous, la Banque africaine de développement pourrait-elle protéger, soutenir et favoriser les intérêts de ces populations les plus fragilisées? Permettez-moi, pour commencer, à vous dire que c'est une responsabilité des gouvernements. Soutenir, appuyer et promouvoir les sociétés africaines. C'est une responsabilité des gouvernements africains. C'est dans ce cas que je pense qu'il faut avoir engagement politique avec l'Afrique, engagement politique avec la transformation structurelle de l'Afrique, etc. La question, c'est plutôt quel est le rôle de la BAD en termes d'aider les gouvernements africains à soutenir les sociétés africaines. Et je pense que le rôle de la BAD, c'est plutôt exactement, premièrement, mobiliser des financements pour les gouvernements africains. Deuxièmement, aider le gouvernement africain à retenir plus la richesse africaine et aider les gouvernements à mettre sur la table des politiques publiques de qualité pour mieux utiliser cette richesse africaine pour le développement de l'Afrique. C'est dans ce contexte-là que je défends que pour la BAD, arriver à faire ce type de support, ce type d'appui, la BAD doit mettre en place quelques réformes nécessaires, ciblées, pour rendre l'organisation plus efficace, plus effective et que peut répondre plus rapide aux décideurs africains. Très bien, merci beaucoup. Vous parlez donc de cette relation entre la BAD et les populations à travers les gouvernements. Ne pensez-vous pas que la BAD pourrait aussi intervenir davantage en relation avec les sociétés civiles, le lobbying, les instituts de recherche, travailler en coopération avec elles pour toucher davantage les populations et résoudre les problèmes socio-économiques du continent? Je suis tout à fait d'accord. Par exemple, je pense que la BAD peut adopter une approche plus collaborative en Afrique, particulièrement avec les universités africaines, avec les instituts de recherche africains. Pourquoi? Je pense qu'un des départements que je défends, que doit exister au sein de la BAD, c'est un département des conseils techniques directement au gouvernement africain. Il y a des moments que les gouvernements africains ont besoin de recevoir une réponse rapide, un support rapide en termes d'assistance technique. Et je pense qu'il doit y avoir un département au sein de la BAD pour répondre immédiatement à ce type de demande du gouvernement africain. Mais pour avoir un département, pour transformer la BAD dans une banque de connaissances, il faut chercher cette connaissance. Mais cette connaissance existe déjà en Afrique, aux universités africaines, aux instituts de recherche. Ça veut dire que pour la BAD, appuyer les gouvernements africains en termes de qualification des politiques publiques, il faut que la BAD se transforme dans une banque de connaissances. Pour se transformer dans une banque de connaissances, il faut que la BAD doit adopter une approche collaborative avec toutes les universités africaines et les instituts de recherche, exactement pour prendre cette connaissance qui existe déjà en Afrique et transformer
transformer cette connaissance en matière première pour la qualification des politiques publiques en Afrique. Merci beaucoup. Nous allons revenir à vos questions économiques. Pensez-vous que l'on peut impulser au niveau des États africains, par le biais de la BAD, la mise en place de plans économiques quinquennaux ou décennaux, afin d'avoir une vision un peu plus de long terme? On n'a pas d'alternative. On n'a pas d'alternative. Si tout le monde est d'accord que nous sommes arrivés à un moment de casser le business as usual, de sortir de cette logique de gestion de la pauvreté, d'adopter la transformation structurelle comme le drapeau de l'Afrique, l'unique manière de le faire, c'est d'avoir une vision de long terme. L'unique manière de promouvoir la transformation structurelle, c'est exactement avoir une vision de long terme en appuyant sur la qualité des institutions. On n'a pas d'alternative. C'est l'unique manière de le faire. Je vous remercie. Nous avons parlé qu'il faut casser cette vision de business as usual. Est-ce que vous pensez que les nouvelles réflexions qui se font au niveau des plans économiques, notamment passer au modèle économie sociale et solidaire, pourrait être une réponse valide pour l'Afrique, combinant notamment rentabilité et justice sociale? Oui, je pense que les décideurs africains sont en train d'être confrontés à ce que j'appelle un paradoxe historique pour l'Afrique. Ça veut dire que la crise internationale est en train de mettre sur la table cette grande opportunité. En même temps, l'Afrique perd en moyenne 50 billions de dollars ou 50 000 milliards de dollars. En moyenne, on a le problème d'emploi en Afrique, on a le défi d'augmenter la composante locale dans chaque chaîne de valeur. Ça veut dire qu'on n'a pas d'alternative sinon de rendre les investissements, les structures productives en Afrique plus rentables. Si on réussit à promouvoir cette transformation structurelle, il faut que, au début, tout le monde doit être sûr que cette transformation structurelle doit adresser la génération d'aujourd'hui et la génération du futur. Ça veut dire que la justice sociale doit être un élément clé de cette vision de long terme. Ce que je viens de dire, la question de la cohésion sociale. Ce n'est pas seulement une parole qu'on doit mettre dans les discours politiques. Elle doit devenir de plus en plus une composante importante de toutes les politiques publiques en Afrique. Je vous remercie. La BAD est aujourd'hui la première organisation de financement du développement en Afrique devant la FMI, la Banque mondiale. Quels sont les défis à relever par l'institution dans les 5 à 10 ans à venir, notamment afin de garantir une cohérence des politiques publiques et des politiques pour le développement? Cette question, je pense, adresse d'une manière directe l'intervention de la BAD en Afrique. Maintenant, la BAD s'est plutôt concentrée dans l'infrastructuration du continent, mais plutôt l'infrastructuration physique. Je pense que c'est le moment de mieux équilibrer le portefeuille de la BAD entre infrastructure, secteur privé et institution. La BAD est arrivée dans une situation de commencer à intervenir d'une manière plus intégrée. Quand la BAD finance, par exemple, une barrage, on peut mettre un exemple au Cap-Vert, une barrage au Cap-Vert. Ce financement de la BAD doit être accompagné d'une analyse interne. Quelles sont les institutions qui devront exister pour gérer et maintenir cette barrage? Mais en même temps,
la BAD doit demander. Comment préparer le secteur privé pour prendre les opportunités que vont être mises sur la table par la construction de cet barrage. Et je pense que de plus en plus, la BAD doit mieux équilibrer en termes d'intervention entre infrastructures, secteur privé et institutions. Et on doit le faire pas seulement parce que c'est logique du point de vue des politiques publiques, mais aussi du point de vue d'une gestion de risque de la BAD. Ça veut dire qu'on a deux grandes raisons pour mieux équilibrer le portefeuille de la BAD. Merci beaucoup. Pour finir, nous allons revenir à votre campagne. Donc, vous aspirez à diriger cette institution. Quels sont les éléments clés de votre campagne? Et si vous devenez la première femme à prendre la tête de la BAD, quelles seront les mesures urgentes que vous mettrez en place? La grande motivation de cette candidature, et c'est une candidature en même temps personnelle, mais aussi du Cap-Vert. Parce que ma volonté, cette volonté de servir l'Afrique, je peux vous assurer, ce n'est pas seulement une volonté personnelle. C'est aussi une volonté du gouvernement du Cap-Vert. Je peux même dire que c'est une volonté de la société capverdienne de servir l'Afrique. Et cette volonté, c'est exactement parce que je crois que la BAD a beaucoup fait jusqu'à ce moment, mais la BAD peut continuer à faire beaucoup et peut-être à faire beaucoup plus dans les prochaines années. En aidant les gouvernements africains exactement à casser cette approche. Et la BAD, si je réussis à être élu, la BAD sûrement sera là, disponible et techniquement préparée pour aider les décideurs africains à adopter cette approche de transformation structurelle, cette approche que peut permettre à l'Afrique de prendre cette grande opportunité. J'ai l'habitude de dire que dans une danse de chaises, il y a 9 chaises et 10 personnes qui dansent autour. Quand la musique s'arrête, 19 trouvent une chaise. Il y en a une qui reste à dehors. Jusqu'à ce moment, cette personne qui a resté à dehors jusqu'à ce moment a été l'Afrique. Ça suffit. C'est le moment de demander la musique encore une fois, de faire la danse de chaises et de créer toutes les conditions pour prendre la chaise. Et je pense que les Africains nous sont complètement prêts pour le faire. Complètement prêts pour le faire. Très bien, je suis aussi d'accord avec vous. Mm-hmm. Je vous remercie beaucoup d'avoir Merci accepté beaucoup. Cette interview. Interview réalisée donc pour Thinking Africa avec Madame Christina Duarte, ministre des Finances du Cap-Vert. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette opportunité. Je crois fortement en votre candidature. Merci beaucoup. Yeah.